Salut à tous les amis. Aujourd'hui une petite vidéo. Alors j'ai un voyant qui vient de s'allumer sur ma Peugeot 407. Je vous montre ça. C'est celui-là. Hop, je sais pas si vous avez vu. Celui-là. Alors sûrement un problème d'ABS. Alors, pour faire le diagnostic, je vais utiliser la Icarsoft CR Pro. Et pareil, je vais prendre la Icarsoft E770. Les vidéos, c'est dispo sur ma chaîne en présentation, pour les présentations des valises. Allez, c'est parti. Alors Peugeot, on va prendre la dernière version. On va faire un scan manuel. Alors on va aller dans le calculateur directement ABS. On va aller lire les codes défauts. Oh là là, ça nous met qu'on peut pas y aller. C'est pas grave, je vais vous montrer une astuce. Alors, on va aller dans Citroën. Et je vais la faire passer pour une Citroën C5. On fait C5, on va faire un scan manuel et là on va dans ABS. Voilà, là on arrive à rentrer dedans. Erreur permanente, capteur de vitesse de roue avant droite, circuit ouvert, court-circuit vert positif, court-circuit vert masse. Voilà, le capteur ABS, capteur de roue, il est sec, il est mort. Je m'en doutais. Bon, ça voilà, c'est le côté droit, ça va bien en faire. Le côté gauche, c'est un peu plus galère. On va remplacer ça. Alors avec la valise Icarsoft, je peux rentrer dans le calculateur moteur, dans tous les autres calculateurs. Je vais vous montrer vite fait. 407. On va faire un scan manuel. Là, c'est je vais rentrer dans calculateur moteur. Ça fonctionne. Dans les airbags. Là, pareil, aucun code défaut. Normal, il y a un pot. Dans la clim. Là, pareil, on peut rentrer sauf que dans le calculateur ABS. Enfin, ça arrive. Mais c'est bizarre parce que j'ai déjà fait des autres 407. Et avec la valise Icarsoft, j'ai réussi à rentrer dans le calculateur ABS avec la valise long. Du coup, ça peut-être pour les années, je sais pas. Mais bon, on prend Citroën C5 et ça passe nickel. Bon, je vais brancher la petite valise, la E770, et on verra bien. Ouais, les amis, j'ai branché la valise sur la voiture, la prise OBD2. Alors là, la valise Icarsoft E770. Allez, on va aller dans le diagnostic. J'ai été trop vite. Alors Peugeot.
407, scan manuel. Alors là, on va dans l'ABS. Là, pareil, ça passe pas. Et là, si on va dans l'airbag. Là, ça passe, ça, on arrive à rentrer dedans. À rentrer dedans. On va la faire passer comme tout à l'heure en Citroën. Alors on la fait passer en C5. Et là c'est bon, erreur permanente, capteur de vitesse de roue avant droite. Pareil, c'est le même code d'erreur que l'autre. Voilà, là ça fonctionne. Pareil avec celle-là, on peut rentrer dans le calculateur moteur. Lecture des codes défauts. Oh là là, on a les défauts qu'on avait tout à l'heure avec le Icarsoft CR Pro. Voilà les amis. Alors, si vous voulez voir la présentation des deux valises, la E770 et la CR Pro, c'est dispo sur ma chaîne. Alors moi, je les ai commandés chez monotillage.com sur internet, un site vraiment très très sérieux. Pareil, si vous commandez sur le site, vous aurez le droit à 11% de réduction valable sur tout le site avec mon code promo Filou2021. Voilà les amis. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.